J'espère que vous passez une bonne semaine à date. Cette semaine, on va parler du livre de Colossiens dans le Nouveau Testament. Le livre de Colossiens comprend 4 chapitres, donc on ne les lira pas tous aujourd'hui, sinon on va être ici bien trop longtemps. Mais je vous encourage à aller lire Colossiens au complet. C'est vraiment quelque chose d'encourageant. Donc, voici le résumé du livre de Colossiens. Au départ, le livre des Colossiens était une lettre de l'apôtre Paul, qui était alors en prison. Écrit aux chrétiens de Colosse, d'où le nom Colossiens, dans sa lettre, Paul a rectifié les faux enseignements que les croyants avaient entendus. Bien qu'il n'ait pas été spécifique, il a présenté la vérité en termes généraux afin que les croyants de son temps, comme de nos jours, sachent distinguer les déviations du vrai christianisme. Apparemment, les fausses doctrines auxquelles étaient confrontés les Colossiens était semblable à ceux à la célèbre devise actuelle de nos jours, qui dit « Toutes les religions sont bonnes du moment qu'on est sincère ». Cet enseignement est non seulement faux, mais dangereux. Jésus est le vrai, unique, supérieur. Il est le Verbe incarné, le seul chemin qui mène à Dieu. En lui habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. C'est tiré du chapitre 2, verset 9. Les vérités énoncées dans le livre des Colossiens vous aideront à distinguer la véritable foi des nombreuses déviations actuelles. Seul Jésus est en Dieu et lui seul réside toute la plénitude de la divinité. Il est supérieur à tous les prophètes, à tous les leaders, à toutes les religions. Le christianisme, c'est une relation plus qu'une religion. J'aime à dire quand les gens me demandent de quelle religion je suis, que je suis une relation avec Jésus. Jésus, il est mon frère, il est mon sauveur personnel. Vous entrez directement en contact avec le vrai Dieu par la personne de Jésus-Christ. Il suffit à toute votre existence. Vous vous associez de plus en plus à lui et vous le comprenez de mieux en mieux, chaque fois que vous lui obéissez. L'un des plus grands prodiges du Seigneur est qu'il est venu sur la terre pour y vivre. Jésus-Christ a parfaitement obéi à ses propres règles. Il est parvenu à vivre sur la terre sans commettre aucun péché. Si vous l'imitez, vous trouverez la joie que Dieu veut pour vous. Tout en attendant la perfection du ciel, vous pouvez connaître la bonté qui transcende les imperfections actuelles. En lisant l'Épître aux Colossiens, ayez pour objectif de découvrir comment vous pouvez devenir de plus en plus unis à Christ. Le chapitre 3 vous explique comment. Concrètement, vous pouvez entreprendre cette démarche. Les autres chapitres vous donnent les raisons de le faire et de persévérer. Comme ce livre vous le répète souvent, vous n'avez besoin d'aucun plan d'action compliqué pour suivre Jésus. Vous pouvez en être en contact direct avec lui, avec Dieu, par Jésus. La vraie foi consiste simplement à imiter Jésus. Je vous le disais la semaine passée, chaussez les chaussures de Jésus. Vous le faites parce que vous aimez Dieu et non parce qu'il vous châtiera. Votre relation avec Jésus vous poussera à choisir le bien par amour pour lui et pas seulement à suivre des règles. Il s'agit d'une union directe, pure et délicieuse avec Dieu qui ne cesse de s'approfondir et de s'élargir. Ce que ça veut dire ici? C'est qu'en ayant une relation avec Jésus et non suivre une religion, c'est pas parce que ça dit que tu n'as pas le droit de le faire. Tu sais, des fois, les gens vont dire, « Ah, toi, t'es plate. On le sait bien. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu es chrétienne. » C'est pas parce que j'ai pas le droit. Il y a un verset dans la Bible qui dit, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. » Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas besoin dans ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus y est là pour combler le vide que je pourrais ressentir dans ma vie. Comment surmonter mes doutes au sujet de Dieu? Enracinez-vous en Christ et laissez vos racines s'enfoncer de plus en plus. Les doutes surviennent généralement au moment critique. Pourquoi cette catastrophe se produit-elle? Présentement, on vit des catastrophes là, avec la pandémie et tout ça. Pourquoi ça arrive? C'est des questions qu'on se pose. Que dois-je faire de ma vie? Comment surmonter les injustices? Des crises telles que des rafales malmènent sans pitié l'arbre de votre foi. Mais
comme vous avez accepté Jésus, vous pouvez tenir bon. Pour cela, assurez-vous que tous vos actes, toutes vos attitudes, tous vos choix montrent que pour vous, il est juste d'obéir à Dieu. Tous vos bons choix contribueront à affermir vos racines. Chacun de vos bonnes actions vous aideront à grandir et à mûrir. Lorsque vous refusez de faire le mal, vous produirez des branches qui croisseront dans la, qui attireront la lumière et la puissance de Dieu. Votre croissance dans la foi vous donnera l'assurance que dans les moments critiques, rien ne pourra vous éloigner de la sécurité obtenue en Jésus. Et vous vous apercevrez que vos problèmes proviennent davantage des imperfections de ce monde que de Dieu. Lorsque vous recevrez les ressources et la force de Jésus, vous n'éprouverez plus le moindre doute. Après avoir lu Colossiens, ici il y a des petits versets que vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire Job 1 pour connaître l'histoire de Job. Vous allez voir qu'il y a toute une histoire, ce Job-là. Vous pouvez aller lire le psaume 136, Jérémie 23, du verset 16 à 32, et Romains 4, 13 à 25. Ce sont tous des petits versets qui vont avec le sujet qu'on a parlé. Ancré dans sa parole. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Le défi du jour, vos racines sont-elles plantées assez profondément pour que vous puissiez ployer sans vous briser dans vos moments de doute? Quand il dit ici, de nombreuses prières de reconnaissance. Souvent, quand est-ce que les gens vont demander de la prière? Je parle des gens en général, là. Que ce soit des personnes qui connaissent Dieu personnellement dans leur vie, ou que ce soit même des personnes qui disent « Oh non, moi Jésus, j'ai rien à faire avec ça. » Pourtant, quand ça va mal, qu'est-ce qu'ils font? Quand... Tu sais, ceux qui ont Facebook, là, hein, quand ça va mal, vos amis, ils disent « Hey, prie pour moi! » Oui, c'est vrai qu'on peut prier pour faire des demandes à Dieu. Mais ici, ça dit, faites de nombreuses prières de reconnaissance. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu fait dans vos vies et dans les vies des autres autour de vous. Ici, on parlait d'un arbre. Si votre arbre, si vous avez un arbre, là, moi j'avais un lilas dans ma cour. Quand j'ai déménagé ici, il était beau. Puis moi, les lilas, j'aime ça. Mais un jour, mon lilas, il est tombé malade. Puis là, on le regardait à chaque fois, là, puis on disait, il est de plus en plus malade. Bien, qu'est-ce qu'on est obligé de faire au pauvre lilas? On est obligé de l'abattre. Parce qu'il était trop malade, il produisait même plus de lilas. Ça donne quoi d'avoir un lilas dans la cour s'il ne produit plus de lilas? Puis de risquer de contaminer tout autour parce qu'il est trop malade. Bien, c'est pour ça. Des fois, dans nos vies, on a des choses qu'on veut garder accrochées à nous. Puis ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pourrissent notre vie. Aujourd'hui, si je peux vous encourager à quelque chose, prenez un moment de silence, recueillez-vous et posez-vous cette question. Ici, là, vos racines sont-elles plantées assez profondes pour que vous puissiez ployer sans vous briser dans vos moments de doute? Et vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai des branches qui sont inutiles dans ma vie puis qui même font du trouble à ma vie? Posez-vous cette question. Et si votre réponse est oui, ben demandez au Seigneur d'enlever ces choses-là. Parce que des fois, il faut retirer des branches qui sont malades, pour que votre arbre y soit de plus en plus en santé. Pensez-y. Je vous laisse ici avec un chant qui est en anglais, mais vous allez voir, vous avez les paroles en français, qui dit justement, dans son chant, la personne qui l'a écrit, dit, « Je ne suis pas ici pour les bénédictions, je suis ici pour me recueillir et m'approcher de Jésus. Que Jésus... » Il est tout pour moi.
On se reparle après ce chant. Caught up in this.
Alors, j'espère que ce chant a été une bénédiction pour vous. Et une petite chose que je n'ai pas pensé de vous dire tantôt, c'est que tous les textes que je vous ai lus, ça provient de la Bible. Je sais que pour ceux qui me suivent, vous allez avoir sûrement déjà vu la vidéo où je vous parlais de mon beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Mais pour les autres, là, les textes que je viens de vous lire proviennent de la Bible « Femme à son écoute ». Les filles, les femmes, les jeunes filles, les demoiselles, nommez-les tous, qui est féminin, je vous encourage d'acheter cette Bible-là. C'est vraiment une bénédiction. Il y a plein de ressources à l'intérieur, vraiment. Je vous encourage. N'importe quelle librairie chrétienne, et même Renaud Bré a cette Bible-là. Vraiment un achat à faire un jour dans votre vie. Je vous encourage. Alors, on va terminer avec ceci aujourd'hui. Un petit mot de prière qu'on va faire ensemble. Si vous êtes ici, que vous avez tombé sur la vidéo parce que vous, je sais pas, vous l'avez trouvé par hasard et que vous connaissez pas Jésus, je vous encourage à donner votre vie au Seigneur et à vraiment le suivre et à prier avec moi et de dire au Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Si vous avez déjà accepté le Seigneur et que vous vous êtes refroidi, c'est le temps plus que jamais de vous approcher. Et si vous êtes un chrétien fervent, eh bien, je vous encourage de garder votre nez dans la Bible, de vraiment faire de votre Bible la nourriture spirituelle dont vous avez besoin. Hein? Comme le petit verset qui dit ici en avant, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » C'est bon la nourriture qu'on a... Oui, on a besoin de manger, hein, je le disais la semaine passée. Pour vivre, on a besoin de nourriture dans notre corps physique. Bien, être chrétien pour... avancer, avoir la foi, être solide, ça prend votre nourriture spirituelle. Alors, terminons en prière. Seigneur Jésus, je te prie pour les gens qui écoutent aujourd'hui, que tu puisses aller les toucher dans leur vie. Toi, tu connais les besoins de chaque personne. Seigneur, je te demande que on puisse aller de l'avant, être encore plus la foi. Et je veux te dire que je suis reconnaissante aujourd'hui, Seigneur, qu'encore je suis en vie, je respire. Et Seigneur, je te prie pour tous les gens autour de moi, que je puisse être une lumière pour toi. Et Seigneur, que tu puisses être une lumière dans la vie de tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui donne sa vie pour la première fois, ben je suis contente et je suis bénie. Et je te demande de guérir les personnes qui pourraient être malades, Seigneur. Tu entends les besoins des gens au plus profond. Des fois, on a des choses qu'on n'a même pas dit à personne, mais toi, tu connais nos secrets les plus profonds. Et je te demande d'aller toucher les gens à la maison où ils sont en ce moment. Au nom de Jésus, amen. Si tu es de ceux qui... ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui, ou si tu as des besoins que tu voudrais partager, mais que tu voudrais partager en privé, que tu ne voudrais pas laisser en commentaire ici en bas, parce que oui, tu peux me laisser un commentaire, c'est toujours bon de voir vos commentaires, mais si vous aimez mieux m'écrire en privé, gênez-vous pas non plus. Mon courriel, misyl2009@commercial.gmail.com. Je termine en vous disant, partagez en grand nombre, aimez la chaîne si vous voulez recevoir les petites notifications des nouveaux vidéos. N'hésitez pas, cliquez sur la cloche, mettez toutes les notifications. Vous allez être au courant quand je vais mettre un nouveau vidéo. Et je vous dis bon restant de semaine, à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Bye bye!